Les 69 incidents, tels que c'est présenté par Pierre-Henri, c'est 69 courts motifs. C'est proposé comme une base d'improvisation pour piano total. Ça laisse le champ libre en fait au pianiste de faire son circuit en fait parmi ces motifs-là, de choisir l'agencement des choses. Premier travail, ça a été effectivement de me familiariser avec chaque motif, de me les approprier, de les apprivoiser. Parce qu'en fait, le terme d'incident m'a raconté qu'en fait, un incident, ça vient interrompre quelque chose. Donc, ça m'a donné envie de quelque chose de double, d'un dialogue possible. Donc, ça a validé en moi cette idée, cette envie de la pièce mixte. D'autant que j'avais dans un coin de la mémoire que Pierre-Henri avait ce souhait de réaliser une pièce mixte avec ces vieilles partitions de jeunesse. Et puis, j'ai cherché des préparations diverses. Donc, j'ai vraiment soigné le fait de rechercher diverses préparations. Enfin, déjà, à ce moment-là du travail, je commençais à avoir vraiment plus intégré en moi les éléments musicaux. Donc, ça commençait à parler dans ma tête, quoi. Tout l'aspect piano préparé, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté sa musique concrète de cette époque-là pour essayer de retrouver ces espèces de sonorités. Peut-être qu'à l'écoute aussi, il y a des choses où clairement on se dit bah tiens, ça, on sent bien qu'il y a quelque chose de métallique dans le son, donc ça donne envie d'aller chercher une plaque métallique ou une cymbale en espérant retrouver quelque chose d'assez proche.